Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler des nouveautés de chez Jabra, mais aussi d'Infamous 2, du Motorola Atrix et pour terminer, de la Liberty Tab de Packard Bell. Non, Jabra n'est pas un serpent, mais bien le fabricant dans les communications main libre. La marque est venue nous présenter ses deux derniers modèles. Tout d'abord, le Jabra Freeway. Ce kit main libre a quelques points forts pour vous séduire. Tout d'abord, il possède un système à double microphone qui réduit le bruit de la circulation, du vent ou des passagers. Il peut passer ou prendre des appels en utilisant simplement la voix. Il a un capteur de vibration intégré qui l'active ou le désactive automatiquement lors de l'ouverture ou de la fermeture de la portière. Et en plus, il est Sound HD Ready et ça, quand ça va arriver, ça va vous changer la vie. Le deuxième produit présenté était la nouvelle version d'un must de la marque, la Jabra Stone 2. Il suffit de dire les mots « répondre » pour prendre un appel ou « ignorer » pour le rejeter. Grâce à sa forme unique sur le marché, la Stone 2 se love élégamment derrière l'oreille. Le chargeur portable sans fil fait office d'étui de transport compact qui tient au creux de la main. Son seul défaut, elle n'est que pour les droitiers. PlayStation France aime faire les choses en grand. À l'occasion de la présentation du nouvel opus d'Infamous du studio Sucker Punch, un tas de blogueurs gamers ont été conviés au Palais de la Découverte. La présentation d'Infamous 2 était faite par Brian Fleming himself, président du studio et créateur de la licence. On en a donc appris un peu plus sur la suite des aventures de Cole. Lors de l'interview, Brian a expliqué avoir passé 2 mois dans Paris pour s'inspirer pour les décors et avoir fait des centaines de photos. Techniquement, le jeu est supérieur au précédent et les boss devraient vous donner du fil à retordre. Grâce aux démos jouables sur place, les gamers étaient assez unanimes, ça va être hard. On a aussi appris que chacun pourrait créer des niveaux supplémentaires grâce à un éditeur de jeu. Ceci en plus de la centaine déjà existants. On a fini la soirée à essayer de faire des éclairs. On est pas mal. On en avait fait notre coup de cœur lors du CES 2011 en janvier. Il arrive enfin, le Motorola Atrix. Ce smartphone Android qui cache un véritable petit ordinateur et un media center nous a été représenté en détail, en particulier sa gamme d'accessoires. Car c'est une de ses forces. Il va se pluguer dans toutes les pièces de votre vie. Sur un dock dans la chambre pour le recharger, dans le bureau sur un écran pour pouvoir travailler comme sur un PC, ou alors dans le salon sur la TV haute définition, comme un vrai media center. Bien évidemment aussi dans la voiture sur un dock spécial, là aussi. Et pour finir, sur le LabDock qui en fait un vrai ordinateur portable d'à peine 1 kg. Ce téléphone est donc vraiment destiné à tout faire. Il faut dire que pour le coup, il a été doté d'un processeur à la hauteur. Lors d'une soirée pour fêter sa 20e année en France, Packard Bell a pu aussi montrer qu'elle continuait à se développer. Après avoir présenté ses nouvelles gammes de PC et laptops, la marque est arrivée sur son produit phare 2011, la Liberty Tab. Liberté de s'exprimer, liberté de découvrir et liberté de s'amuser, c'est dans ces termes que nous a été présentée la tablette. Cette 10 pouces est sous Android 3.0 au nez combe. Il s'agit de la toute dernière version du système d'exploitation de Google spécialement optimisé pour les tablettes. On pourra donc notamment accéder au site Flash, chose impossible sur l'iPad d'Apple. La connectique fait la part belle au HDMI pour connecter facilement la Liberty Tab à un téléviseur compatible. On trouve aussi un lecteur de carte micro SD, des ports USB. Et ça tout en couleur car la Liberty Tab sortira en rouge cerise ou en blanc perle. Attention, l'application de cette semaine est dédiée aux cinéphiles. Le festival de Cannes vient à peine de démarrer, mais quel film choisir? Grâce à l'application gratuite Vodcaster, vous allez enfin vous simplifier la vie. Elle est dédiée à la recommandation sociale de films. À partir de votre compte, retrouvez sur votre iPhone vos goûts ciné, ceux de vos amis et de milliers de spectateurs sous forme de micro-critiques. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour vous présenter le petit dernier de chez Philips ou encore de chez Panasonic ou Pentax. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.